Salut les gars, c'est le Baraka RC. Donc voilà, seconde partie là pour seconde partie crawler là à Lille. Donc voilà, là c'est mon obstacle préféré, c'est la fameuse branche. Franchement, c'est ça passe ou ça casse. Mais franchement là faut le faire. Cette branche là, c'est une chance sur deux que tu l'as réussi. Parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Surtout là, sur cette partie-là. Parce que là, ici, on va devoir limite prendre là. On a un assez grand revers, puis après, il faut. Quand le cul il partira, c'est à partir de là où il faut prendre les gaz. Puis ensuite, descendre tout doucement. C'est chaud à faire. Je sais pas quoi faire, mais. J'ai déjà réussi à le faire une fois ou deux. Vous verrez. Voilà. Voilà. Puis là, vous voyez un chopper à l'intérieur des ponts portiques. Quand on affronte cet endroit. Tout doucement. Voilà, toujours tout doucement. C'est quoi chez vous, hein. De l'autre côté. Ah, 20 là, c'est quoi, hein.
vraiment, vraiment con. Ah, est-ce que c'est bon? C'est bon pour cette fois? Vraiment super dur. Non, elle est encore sur le pont. C'est pas grave, mais bon. Il est vraiment super dur. Bon bref, c'est pas grave. Hop. Ouais, et aussi, il y en a d'autres aussi des comme ça. Ils sont rares. Hein. À l'intérieur. Bingo. Par contre, je vais retirer les LED arrière aussi parce que bon. Là, bon, je les avais mis pour un petit moment. Bon, parce qu'ils étaient inclus dans les deux personnes. Et bon, à partir de là, comme je l'avais préparé pour le performance, là, pour le TRX, donc, du coup, je vais les retirer définitivement, et puis voilà. Ça, je vous dis, on peut s'amuser pendant des heures là. On peut y passer. Encore là, c'est une chouette partie. Hein. Je raconte même pas quand on fait les intérieurs. Voilà, puis ce qu'il faut savoir aussi en été, c'est que là, tout cette région là est archi sec. Ce qui fait que plein de branchages et tout, je peux faire des jolis obstacles. Voilà, hop. Thank you.
passer marche avant. Allez. Ça m'étonnerait quand même. Allez, viens chercher. Voilà. Non. En arrière, il se dérobe. Pas besoin d'assister. Non. Calotte. C'est toi une calotte. On va chercher au maximum là. Donc voilà. Puis vous voyez, on voit l'utilité d'une boîte de vitesse dans ce genre d'endroit. Comme moi, on peut naviguer avec plusieurs spots à la fois, sans pour autant perdre trop de batterie. D'abord, on récupère encore de l'autonomie. Par contre, ici en été, comme c'est sec, franchement, c'est l'éclate.
Voilà, et par contre, j'essaie de ne pas aller sur le plot. Ah, il y a moyen. Si on fait... Non, on passe. Passer par derrière. Voilà. Quoique... Non, on va faire pour l'instant. Si on fait total, on descend. Nanana. Ok. Peut-être le bon. Allez. Peut-être moyen de faire un truc. Allez, c'est parti. La première vitesse. On va le prendre là. Non, on va essayer de le prendre au train. Voilà. Et allez, c'est parti. Voilà, deux chemins. Il va falloir limite que j'arrive là comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, hop. Là, comme ça. Voilà, que je prends sur la deuxième partie de la branche. Et normalement, là, ça va le faire. Exact.
Voilà. Voilà. Si on sort là, on a peur que ça passe point. Ou alors je crois qu'on va devoir prendre l'or à l'intérieur. Oui. Et ben non. Ah, allez. Là je vais me mettre en bas. Et puis on va descendre tranquillement. Hop. Et non. Par contre, je vais rester combien de temps il me reste. C'est 5 minutes. Ah bah ça y est, on peut y aller là-bas. Enfin, peut-être bien, peut-être bien, bon, peut-être bien, non.
Peut-être accéder par derrière là. Je vais pas savoir. Alors, est-ce que ça va passer ? Bingo. Non. Alors, ça vient plus chercher le travesol, peut-être que là. Voilà, comme ça. Et là, on y va tout de suite. Alors, gaz. J'aurais dû prendre une chute.